الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans tout événement, le début revêt une importance majeure. Parlons de l'événement avec un grand E. Le grand événement, la descente de la révélation sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première révélation qu'il a reçue. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis au nom de ton Rabb. Et Rabb veut dire éducateur et veut dire maître. Rabb tarbiya, la racine, qui veut dire éducation. Donc Rabb veut dire éducateur et maître. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence, à partir du علق. علق c'est quoi? علق c'est quand il y a fécondation de l'œuf dans le ventre de la mère, de la femme, et puis quand cet œuf-là se colle à l'utérus, on appelle ça علق. Il se colle, ça veut dire il a علق. C'est le verbe علق. Donc c'est l'embryon qui se colle à l'utérus de sa mère. خلق الإنسان من علق. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Quel est le lien de correspondance entre ce premier verset, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, et le deuxième verset, qui a créé l'homme à partir d'une adhérence? J'ai consulté les livres d'exégèse, beaucoup de livres d'exégèse, mais j'ai trouvé une explication très pertinente et très belle de notre cheikh Mustafa al-Bihiyawi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'homme connaît en fait deux naissances. Deux. La première naissance, c'est quand il était sous forme de alaq, un embryon qui se développe puis qui sort du ventre de sa mère. C'est ça la première naissance. La deuxième naissance, c'est quand il lit au nom de son Seigneur. Masha'Allah. C'est quand il lit au nom de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas qualifié le Coran d'eau, de pluie salvatrice? Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadra. Il a fait descendre du ciel de la pluie et les vallées, chacune apportait une quantité de pluie. Les vallées dans ce verset de Sourate le Tonnerre, ce sont les cœurs. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé le Coran à la pluie salvatrice parce qu'il donne la vie. Et il a comparé le Coran à l'esprit. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Ainsi avons-nous fait descendre sur toi un esprit émanant de notre ordre. Et l'esprit, c'est une source de la vie. Et il a qualifié aussi le Coran de lumière. Allah nur al-samawati wal-ard, la lumière qu'il donne aux croyants dans Sourate al-Nur. Et la lumière est la source de la vie. Et donc, c'est ça le lien de correspondance entre ces deux versets. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Répétition de l'ordre de lire. Et ton Seigneur est le plus généreux. Il n'y a pas de plus grande générosité que d'apprendre à une personne la science, le savoir. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam, qui a enseigné à l'aide du qalam, qui a enseigné à l'aide de la plume. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ça, c'est la première révélation. Il parle d'éducation, Allah, l'éducateur, Rabb. Et il parle du qalam, l'outil de l'écriture. Et il parle de la lecture. Il ordonne de lire. C'est la première révélation. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces cinq versets ont été révélés au début, puis juste après, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète les premiers versets de Sourate Al-Qalam. La deuxième sourate qui a été révélée au prophète, elle s'appelle la sourate la plume, la sourate le qalam, ou le stylo si vous voulez, l'outil de l'écriture, sourate le qalam. Elle commence par Noun wal qalam wa ma yasturun. Noun par le qalam et par ce qu'ils écrivent.
Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tu n'es pas par grâce au bienfait d'Allah, tu n'es pas un fou. Il a juré Allah subhanahu wa ta'ala par la plume, par le qalam. Et il a dit Noun wal qalam wa ma yastarun. Il a juré par l'écriture. Et il a dit que pourquoi il a juré? Il a juré pour dire que son prophète sallallahu alayhi wa sallam est exempt de tout retard dans ses facultés intellectuelles. Et Noun, Abdullah ibn Abbas, il a expliqué ce nom, Noun, par l'encrier. Donc retenez bien ça. Le qalam, le savoir, les facultés intellectuelles, l'écriture, c'est par ça que la révélation a commencé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de son savoir, de l'immensité de son savoir et de sa parole, il a donné comme exemple, il a donné un exemple dans le Coran, c'est celui de la mer, de la mer qui est une mer d'encre. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Kahf, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Il a dit si la mer, les océans, la terre sont composés d'encre et qu'ils servaient à écrire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben cette mer s'épuisera sans que la parole d'Allah ne s'épuise, même si on ajoute à cette mer une autre mer. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Même si on ajoute à cette mer une autre mer, dans une autre sourate du Coran, sourate Luqman, ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. Si toute la terre est composée, si tous les arbres de la terre se transforment en stylo, en qalam, en plume, et que la mer se prolonge en adjoint à cette mer, cette autre mer, en guise d'encre, ben, ces mers-là vont s'épuiser sans que ne s'épuise la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la plume, le savoir, l'encre, cette encre bénie, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous envoyait un message de puiser, de nous abreuver de cette encre bénie, de nous abreuver de ce savoir. Et bien sûr, ça s'est réalisé par la suite. Subhanallah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du qalam, parlé du savoir, a parlé de l'écriture, a parlé des facultés intellectuelles, a parlé de l'océan de l'air d'encre, il y eut après une explosion du savoir, il y a après un débordement de cette encre bénie, Les sciences sont apparues, la science de l'exégèse, la science du fiqh, la science des usul fiqh, ça c'est juste les sciences en langue arabe. Que dire alors de la langue arabe, que dire alors de la rhétorique? Les autres sciences encore, les musulmans ont commencé à traduire, même les œuvres des philosophes et tout. Il y eut vraiment une explosion de savoir et les musulmans ont conquis l'univers, le monde entier par leur savoir. Grâce à ce savoir et grâce à cette encre dont ils se sont abreuvés, qui s'inspirent du Coran et de la Sunna, nos plus prédécesseurs, ils ont construit des civilisations. Ils ont conquis les cœurs et les esprits. Pour que nous construisions, nous aussi, une civilisation, nous devons suivre leur même voie, développer nos facultés intellectuelles, lire, parce qu'il y a l'ordre de lire. Le premier ordre qui a été révélé au prophète, c'est l'ordre de lire. Et aussi, devons étudier et développer notre savoir. Et ne pas être tout le temps influencé par les images. Parce qu'on reçoit chaque jour un flot d'images. On est conditionné, lobotomisé. Nous, de travailler notre esprit pour évoluer et construire notre personnalité. Et ne pas nous mettre chaque fois sous la tutelle d'un shir ou d'un groupe ou d'une jama'a qui nous mettent des restrictions. C'est très important ça. Si nous ne le faisons pas, nous allons être pris dans un étau.
dans un étau. Dans un étau, la première mâchoire, si vous voulez, de l'étau, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne reconnaissent pas cette encre-là, qui ne connaissent pas les fusions, si vous voulez, je symbolise, hein, les fusions de cette encre bénie. Ils vont le remplacer par les fusions du sang. Ils ne connaissent pas la plume, ils connaissent que les arbres. D'accord? Alors que bien sûr, le jihad qui ne repose pas sur la science, c'est du massacre. On dit, il y a un dicton qui dit que l'encre du savon est plus sacrée que le sang du martyr. C'est un dicton qui est vrai en quelque sorte. Hein? Nous allons être pris par dans cet étau-là. Des gens qui sont comme ça ou des gens qui nous connaissent. Qui effacent cette encre, c'est-à-dire qui effacent notre histoire, qui effacent notre identité, qui ne reconnaissent pas tout ce savoir que nos pieux prédécesseurs, nous ont légué. Ils taxent nos savants d'innovateurs dans le sens péjoratif, c'est-à-dire d'innovation blâmable. Ils taxent d'éminents savants comme l'imam Nawawi, Ibn Hajar, al-Ghazali, tous ces éminents savants sur lesquels des civilisations ont été construites. Ils les rejettent et ils les récusent. Ou des gens, qu'est-ce qu'ils font avec cette encre? Ils vont l'altérer. Ils lui font perdre sa consistance en appelant à un nouveau fiqh, en appelant à de nouveau au sol, en essayant de tordre le cou au texte pour qu'il soit conforme à leurs intérêts politiques ou à l'intérêt de certaines élites. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à puiser de cette encre bénie à développer nos facultés intellectuelles et à être la communauté de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.